connais le village des talents créatifs, parce que j'en ai parlé à quelques collègues qui m'ont garanti que je passerais un bon moment, et voilà, ça n'a pas été démenti, je passe un excellent moment. Parce que j'ai rencontré Luc avant la construction même du village, et puis voilà, j'ai eu vent de son projet, et on a tout de suite bien accroché, et ça m'a tout de suite plu le concept, l'idée d'être avec d'autres personnes qui partageaient la même sensibilité à la fois écologique et puis de partage. Bien, je fais partie vraiment du début de la création du village des talents créatifs, puisque je me suis installée en 2019 et je représente des artistes pour grande partie de la région, parce que j'ai vraiment à cœur de soutenir la création locale et dans l'art contemporain, le street art et le pop art. Tout au long de sa vie, Pierre Rabhi a lu de nombreux philosophes et tout ça l'a amené à entamer une réflexion de fond sur la condition humaine, la justesse de sa vision du monde et son enthousiasme qui emportait toute une salle. D'ailleurs, à chacune de ses interventions, il avait pour habitude de raconter la fameuse légende du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre, tous prostrés le long de la rivière. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le grand feu. » Et le colibri lui répondit simplement « Je le sais, mais je fais ma part. » Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette légende? En fait, plutôt que de ne rien faire face aux problématiques environnementales, sociales ou économiques actuelles, on peut agir par soi-même, avec ses compétences, avec sa volonté, avec ses moyens, chacun à son niveau. Et même si pris séparément nos actes semblent dérisoires, c'est grâce à la somme des actions des petits colibris que les choses peuvent changer. Je fais ma part.